racines et que tu me parles justement de la tradition. Voilà. Ok, mais il n'y a pas de souci. C'est un morceau qui reste encore extrêmement moderne quand on écoute. Exactement, ça c'est vrai. Composé par Georges Desémis et Jacob Desvergneux. Exactement. Exactement. Voilà. Je vais te demander pourquoi on continue à appeler le Zouk Zouk Rétro. Oui, d'accord, ok. Donc, c'est vrai que tu n'aimes pas ce terme-là, Zouk Rétro, c'est ça? Non, j'ai horreur de ça. Pourquoi? Parce que j'ai même vu, si tu veux, dans un article dernièrement que quelqu'un disait, oui, elle fait du R&B, de la salsa et du rétro. Alors j'ai dit, tiens, rétro, ça doit être un nouveau style musical. En rigolant, puisque je sais très bien de pourquoi ils ont mis rétro. Ils parlent du zouk rétro. À la limite, on enlève même aujourd'hui, on enlève le mot zouk, on l'appelle rétro direct. C'est n'importe quoi. Rétro, c'est pas un style, quoi. Faut arrêter. On est en train d'enterrer notre propre musique, alors que cette musique-là, elle a un nom, et il faut que les gens connaissent ce nom-là de par le monde, sans la petite queue qu'on lui a ajoutée. Cette musique-là s'appelle le zouk. On nous aimait, et puis on nous respectait, et puis on nous pas crié rétro. Voilà. Mais d'accord, le message est passé, mais si on l'appelle rétro, alors juste parce que c'est vrai que moi des fois j'appelle le zouk rétro, d'accord, j'assume ce terme. Parce qu'on a pris l'habitude, les gens ont pris l'habitude, mais si un jour j'ai l'occasion de vous raconter pourquoi le zouk a été appelé rétro à une époque, vous allez tous arrêter de l'appeler comme ça. Vous allez tous arrêter. Parce qu'il y a une histoire. Souvent, on utilise des mots, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, moi, je crois que ça a beaucoup... Ça nous a joué un vilain tour. Vraiment un vilain tour, parce qu'en fait, ailleurs, les gens considèrent que cette musique-là est has-been maintenant parce qu'on l'appelle rétro. Donc, c'est ridicule de l'appeler rétro. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, le message est bien passé, Jocelyne. OK. Et bon. On a fait un style musical, les gens l'ont appelé zouk. Pourquoi on l'appelle autrement? Pourquoi il change de nom brusquement? C'est ça. Qu'un nouveau zouk, on lui donne un zouk ceci et cela, etc. Moi, je veux bien, puisque quelqu'un propose une variation. Je veux bien. Mais l'ancien, ce qu'on a fait, nous, et ce qu'on va vous donner demain, pourquoi on l'appelle rétro? Si on le fait en 2012, ça peut pas être appelé rétro. Et pourquoi une partie de ma musique est appelée rétro et l'autre non? C'est bizarre, quoi. C'est pas logique. D'accord, c'est alors. C'est absolument pas logique. Si on doit faire un truc en 2012, c'est arrêter d'appeler notre musique rétro. D'accord, on l'appelle zouk. Alors, ouais. Moi, je vais te donner juste un argument que moi, je donnais personnellement. Pourquoi moi, j'appelais le zouk rétro? Pourquoi? Parce que c'est vrai que sur toute l'histoire du zouk, sachant que cette musique, elle est très jeune, très très jeune, c'est vrai que les premières années du zouk, de 1980 à voire milieu des années 90, le zouk m'a fait vibrer vraiment énormément. À ce jour, je te dirais comme quoi que le zouk aujourd'hui, maintenant à la forme, mais il y a pas de fond. Voilà, c'est ce que je trouve à 80. On va dire à 80%. Oui, mais c'est du zouk quand même. Alors on peut dire du bon zouk et du mauvais zouk, mais pourquoi l'appeler rétro? Ben, ça nous joue un vilain tour. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. Parce que tout le monde a ça comme prétexte. Oui, quand on dit rétro, tout le monde sait que c'est le zouk des années 80-90. D'accord, chez nous. Mais à l'extérieur, quand ils entendent zouk rétro, ça veut dire que c'est has-been. Donc on ne passe plus. Vous comprenez? D'accord. Oui, je comprends. C'est ça. C'est ça, et que ça, il y a aucune raison qu'on l'appelle rétro, d'autant que justement dans cet article que j'ai lu qui m'a fait mais voler en éclats. Pourquoi? Parce que quand on me donne les noms des autres musiques, salsa, R&B, reggae, et que mon zouk, on ne le nomme pas, mais qu'on l'appelle rétro tout court. Mais moi, ça me met hors de moi. Parce qu'en fait, on a nommé les autres musiques, on leur donne vie, et la mienne, on l'ignore. La mienne, on la tait. D'accord? C'est-à-dire le zouk, eh ben on ne le nomme même plus parce qu'on l'appelle rétro. C'est n'importe quoi. D'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si en fait c'était passé sur un truc, si c'était un petit bout qu'on avait ajouté qui revalorisait cette musique-là, d'accord? Mais le fait de l'appeler rétro, si pour nous, Antillais, ça a une signification années 80, années 90, pour les autres, ça veut dire que c'est rétro. Rétrograde. D'accord. Pour avoir le mot en entier. Rétrograde. Et rétrograder, ça veut dire revenir en arrière, c'est-à-dire un truc qui n'existe plus. Ça veut dire que c'est mort déjà. Donc on peut pas l'appeler comme ça, parce que ce zouk-là n'est pas mort, on continue à le faire et on continue à remplir des stades avec. Donc on l'appelle zouk. C'est tout. Appelez l'autre zouk love, appelez-le comme vous voulez, ajoutez une queue à l'autre que vous n'aimez pas. Mais pas au zouk que vous aimez. Le zouk que vous aimez, il s'appelle zouk. Point final.
C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Ok. Ok, tout à fait, merci. Des erreurs qu'on fait et qui nous portent préjudice, parce que les mots ont une importance. Et c'est vraiment terrible ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que justement, tout le monde, les gens n'osent même plus nommer zouk, parce qu'on a peur de dire on fait du zouk, parce que bon, c'est pas bien vu, je sais pas moi. Ça devient comme ça. Alors qu'on devrait en être fier. C'est une musique qui a rassemblé des gens. C'est une musique qui a permis à des gamins qui n'avaient pas de référence de dire à leurs copains, ouais, mais moi, j'ai Kassab, j'ai le zouk, j'ai machin, j'ai un tel. Tu vois? Ouais, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Mais voilà. En tout cas, tu m'as ouvert les yeux sur certaines choses. Et merci. Merci vraiment. Merci vraiment de ton message qui, je pense, qui a été entendu par beaucoup de personnes, surtout parce qu'on est. Beaucoup de personnes nous écoutent énormément. Et nous, à l'avenir, on va voir les choses autrement. Exactement. Bien sûr. Donnez aux autres musiques que vous n'aimez pas une queue, si vous voulez. Pas aux autres. Pas ok. Aux autres. Eh bien, nous qui dit comme ça, le Party Time Show, la référence de Zouk. Boudoum. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Jocelyne, on va écouter d'ici, on va dire un quart d'heure, 25 minutes. On va dire, on va écouter Tim Tim Boissec. Merci de ton témoignage. Et en tout cas, merci. Continue à nous faire vibrer. Continue à véhiculer le zouk à travers le monde avec tous tes amis, musiciens, Jacob Desverdieux, Jean-Claude Nemro et toute la clique. Et à très bientôt, je l'espère. À très bientôt, oui. Ok. Gros bisous, Jocelyne. Au revoir. Bonne année à tous. Merci, bonne année à tous. Yes, c'était Jocelyne Bérois, en direct du Party Time Show sur Espace FM. Allez, on poursuit avec quoi? On poursuit tout de suite avec Kassav, toujours avec Kassav, extrait de l'album, un album qui n'a pas eu de nom d'ailleurs, en 1984, le titre Aïe, normalement. Non, c'est pas ça? Tu vas pas mettre ça? Tu vas mettre quoi là? Hein? Mets le son. Mets le son, il n'y a pas de souci. Ok. Party Time Show, la référence du Zoukret. La vraie référence du Zoukret. Oh, j'ai du mal. Ah non, là, je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me le permettre. La référence du Zoukret. Yes, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Six. Tim Tim. Voici.